De l'extérieur, l'Arena Corinthians s'attoue d'un stade moderne, prêt pour accueillir le match d'ouverture de la Coupe du Monde. En réalité, il est loin d'être fini. C'est la honte. Moi, je suis arrivé ici il y a une semaine et je ne pensais vraiment pas que ce serait dans cet état. C'est vraiment inquiétant parce que pour livrer le stade entièrement fini, je pense qu'il faudrait au moins 20 à 30 jours de plus. Le dernier match test a révélé des failles importantes au niveau des télécommunications et du contrôle de l'entrée des spectateurs. Les portiques de sécurité ne fonctionnaient pas, le réseau 3G était défaillant. Plus inquiétant encore, une partie des tribunes provisoires avait même été interdite au public pour des raisons de sécurité. Elles ne seront pas testées avant le premier match. Un constat alarmant qui ne semble pas préoccuper les travailleurs volontaires de la FIFA. Nous, en tant que volontaires, on va plutôt travailler à l'extérieur de l'enceinte. Mais vraiment, je n'ai aucun doute que le stade sera prêt pour le jour J. Je ne ressens absolument aucune pression. On est vraiment tranquille. Reste à savoir si cet optimisme affiché suffira. Il reste 7 jours pour que le stade soit prêt.